Bah plutôt bien, je pense que ce week-end de repos nous a fait le plus grand bien. Bah ça nous a permis de recharger les batteries, de préparer bah ce match de Lézignan avec le plus grand sérieux. Bah, début de saison mitigé, on a connu des matchs plutôt intéressants, puis d'autres compliqués. Aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé notre niveau de fin d'année dernière. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour qu'on puisse prétendre à un titre cette saison. Ben, ce que je retiens, c'est une partie positive, puisque en fait, on va retenir le positif parce qu'on avance comme ça au Théo. Et la partie positive, c'est qu'on est second du championnat et qu'il reste encore une grosse marge de progression pour qu'on finisse sa première marche et qu'on se qualifie pour la poule des As. Oui, donc deux gros déplacements à venir avec deux équipes accrocheuses, deux équipes qui jouent pour leur couleur, pour le clocher. Ça risque d'être deux matchs délicats et même si Lézignan aujourd'hui a rencontré quelques difficultés, ça reste quand même une équipe plus que compétitive et je pense que ce week-end risque d'être un match du plus haut niveau. Très très bonne équipe. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont pas à leur place actuellement dans le classement du championnat. Je pense qu'ils vont. Ben, il va y a très, très certainement y avoir un déclic à un moment ou un autre, et je l'espère pour nous, ce sera pas ce week-end. Lézignan, il y a Johan Tisser qui est un gros travailleur. Il y a Mathieu Griffy, travailleur agressif. Qui amène le groupe derrière lui avec son expérience Super League. D'autres joueurs comme Boudebza, mais Boudebza est en équipe de France, donc je suis pas sûr qu'il sera retenu pour jouer avec Lézignan. Donc, mais bon, c'est une équipe quand même qui est complète dans ses lignes et qui je pense sera pas évidente à manœuvrer ce week-end. Ouais, je m'en souviens très bien, c'était la finale de l'année dernière et on avait effectué un superbe match, on l'avait emporté pour remporter le championnat de France. Pour ce match, je pense que ça va être un match très très serré, donc je dirais 18 à 20 pour le Théo. Merci, Bruno. Merci à toi.